Ma pétition, je l'ai écrite après avoir amené une énième fois tous les contenants en verre dans le conteneur qui est proche de chez moi et avoir entendu le verre se briser en glissant dans le conteneur. Alors moi, quand j'emmène mes contenants, ils sont en bon état, hein, ils sont totalement réutilisables. Comme la plupart des gens, j'imagine. Et donc, on entend ce verre se briser. Et donc, je me suis mis à réfléchir qu'il y a peut-être d'autres solutions que de casser des choses qui sont en bon état pour les refabriquer tout de suite après. Du coup, j'ai commencé à rédiger ma pétition en pensant un petit peu plus loin à ce qu'il y aurait, les possibilités qu'il y aurait d'améliorer le système de la consigne que j'ai connu étant enfant. J'ai mis cette pétition sur le site mesopinions.com. J'ai regardé un petit peu au début les réactions à cette pétition. J'ai vu que j'avais un bon nombre de signataires. C'est le site qui m'a rappelé en me disant que ma pétition avait beaucoup de succès. Et au bout de 2 ans, effectivement, elle avait recueilli plus de 230 000 signatures. J'avais essayé de voir si je pouvais transmettre la pétition au ministère de l'Écologie, ce qui ne s'est pas avéré vraiment possible. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et récemment, je me suis engagé dans une association de consignation du verre qui vient de se monter à Tours, puisque je suis à Tours. Et dans laquelle je compte m'activer sérieusement sur le sujet. Je m'attendais à devoir présenter tous les arguments en faveur qui avaient été émis dans la pétition et ceux que j'avais pu développer par la suite en étudiant vraiment le sujet. En fin de compte, je suis tombé sur Madame de Bettencourt qui était parfaitement au courant de toutes ces problématiques. On a plus eu une discussion sur les moyens d'arriver à porter la consignation dans la société, les moyens politiques d'y arriver, que réellement sur les choses nécessaires, puisqu'on est, franchement d'accord sur la nécessité de la consignation et sur tous les à côté à mettre en place pour que ça aboutisse et que ça se passe le mieux possible. Les choses sur lesquelles on est d'accord, c'est que le verre, c'est un très bon remplaçant du plastique. Et donc, il faut, pour mettre en place une consigne du verre efficace, il faut redéfinir les récipients, les normaliser pour qu'il y ait le moins de kilomètres de parcouru entre la récupération des emballages, l'unité de lavage et l'utilisateur qui va les re-remplir. Il est nécessaire que ce soit normalisé, qu'il y ait des choses qui soient faites au plan législatif pour favoriser la consignation du verre.